No problem, c'est Kay. Je vais l'argent par famille, et proche de moi qui est en Haïti. Récemment, je changé à Sunwave parce qu'elle est plus sécurisée. Quand je vais recevoir l'argent directement dans le compte mon cash qui est élargi ou bien dans Unitransfer Cash Pickup. Et puis, plus bon bagaille, Sunwave pas charger frais de transfert. Je vais dépenser un peu l'argent, 15 à 20 dollars dans frais seulement. Donc, papa et frère, veut dire que je vais avoir plus par famille et proche de moi. On a tout changé à Sunwave pour nous voyer l'argent sans frais et en sécurité. Colonel Imla Rebu, bonsoir, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment est-ce? Bonsoir Louko, bonsoir à toute équipe là, matin de Josué matin, côté monsieur, pour la sauter Colomba Cabane. Il y a l'air, il y a l'air. Nous avons perdu, il y a l'air de nous. Non, nous pas perdu, monsieur. Nous avons perdu. M'absalue DP, m'absalue Tijan qui a rentré là tout à l'heure. Et puis nous avons un salut fraternel à toute haïtienne, tout haïtien qui a coûté nous à travers le monde en Haïti. Très bien. Ok. Nous avons deux points que nous avons gardés ensemble matin. Dossier HCTA également, nous avons dit que le secrétaire d'État des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui renouvelait, qui réaffirmait encore, qu'il y a une urgence pour Haïti recevoir une force d'intervention et spécialisée internationale. Alors là, ça que nous avons connu, comme militaire, une force d'intervention spécialisée internationale avec une force multinationale. En force militaire multinationale, c'est quoi la différence? Bon, faut comprendre, secrétaire général, là, il n'est pas en Haïti, mais il y a un représentant. Et représentant, ça, c'est Madame Lalim. Oui. C'est quand vous jugez avec les oreilles que le secrétaire général a en Haïti, et il y a une obligation pour faire confiance à un rapport que moun li gen comme représentant en Haïti a fait. Parce que le conseil de l'observatoire dans tout domaine, qui va suivre un point de vue par eux, on lecture de situation haïtienne, non? À partir de là, ils fait des propositions. Eh bien. Pour comprendre prise de position publique, secrétaire général des Nations Unies, il faut comprendre qui ça moun qui représente en Haïti a pensé. Pensé, très bien. Madame Lalim en dans un course poursuite, pas oublier que son fonctionnaire qui gagne une mission, l'a travaille pour Nations Unies, mais pas oublier les sont citoyennes américaines tout. C'est bien. Yo te prend initiative pour te fédérer gang yo. Yo ils vont côté yo rendu compte que yo perd du contrôle gang yo et que c'est une mauvaise idée. Parce que Madame Lalim est rentré en dedans un projet politique avec le président Jovenel Moïse, une série de monde qui était entouré. Côté de te comprendre, si vous avez mené un pays à non gestion par décret, c'est la manifestation de force de l'État. Et que l'option, ça a été mené à des élections. Parce que l'objectif des Nations Unies, c'est sortir dans un broglio politique nous est là pour faire des élections. Claire. Il n'y a pas besoin qu'on ait élection qui, Jean? Avec qui problème à venir? Parce que leur élection n'est pas faite, ils ont retrouvé mal à l'aise parce que ou en situation de rupture de l'ordre démocratique. C'est bien. Donc c'est ça qu'ils ont besoin de faire. Maintenant, pour y arriver à faire ça, ils ont du tout. Que yo pa ka fè élection dans ambiance insécurité qui gen là. Là où elle demande des forces robustes là, c'est pas lui même qui demande, c'est Madame Lalim qui demande. Très bien. Parce que Madame Lalim gen bon et donné sous dégâts que le provoquer en Haïti, non encourager à faire gang ça dans fédéral. Peut pas dit qu'il t'ai fait par méchanceté non. Parce que on est étranger, on manière yo wè bagay. Et assez souvent yo wè en dehors de réalité culturelle et de réalité historique pays. Toute force ou elle a mandé, c'est reconnaître que font faute. Y a pour qui gens yo ka jwenn une solution pour font jump. De bien. Sous affaire élection pour ka sorti dans bagay yo. De donc demande au secrétaire général à nouveau renouveler ya.
c'est madame Lalim qui m'a dit pour qui ça et m'bra lou pour qui ça madame Lalim m'a dit pas un rien madame Lalim pas fait kounyen pour créer une atmosphère apparente écoutez bien ça m'dou là une atmosphère apparente de sécurité pour courir à faire élection tout de suite très bien parce que yo connaît six situations ça arrêté Jean Lia li cap déboucher sur n'importe qui bagaille côté perdu contrôle là net Kounye ya, qui destin proposition le faire? Li fait demande là au niveau de Nations Unies. C'est secrétaire général là qui pote. T'alors, ce Domba et Louko, m'ba même ba ou 99.99%, m'ba 100% carrément. Merci. Si yo ta interrogé, quel que soit haïtien aujourd'hui, ya, chaque pi patriote là, nan kapam m pa répond. Bien bien, bien bien. Mais ça pa vle di nan kem nan tête moi pa pense c'est ta ou solution qui ta kap permet nou sorti côté nou là. Bien bien. Je te parle du patriote. Oui. Mais le technicien qui m'habite connaît de toute façon c'est non faux bagage que nous t'apporte. Oui. Maintenant l'analyse politique kap prend de géopolitique. Dis-nous que devant ça, que le secrétaire général fait, elle a bien même destin avec l'autre demande. C'est bien. Pourquoi? Les données n'ont pas changé au niveau du système des Nations Unies. Est-ce que là, pas de problème tout, donc, colonel Himmler Rebu, pas oublier, et c'était en fait le vœu du secrétaire général des Nations Unies. D'ailleurs, première fois entendre ça, c'est l'Ictésil sur France 24. Ensuite, où est que le gouvernement haïtien a vu formuler demande là officiellement? Mais ça n'a pas empêché que tu aies un débat au niveau des Nations Unies, tu aies des voix discordantes. La Chine, par exemple, non. La Russie, par exemple. Non. Est-ce que cette fois-ci, le papa l'a obligé de passer par le même processus-là? Mais dès qu'il arrive dans les Nations Unies, il n'y a pas de décision pas de sortir par l'autre route. Très bien. Il faut que son résolution des États-Unis, des Nations Unies, qui baille secrétaire général la pouvoir pour le mettre force là en place. Très bien. Et pour le mettre force là en place, il va l'utiliser. Parce que c'est autorisation ça. C'est résolution ça. Cap balle pouvoir pour débloquer fonds, pour affecter à logistique force là. Très bien. Il va le retrouver à même problème là encore. Même problème là. Problème la Russie, là, problème la Chine là. Correct. Parce que dès que tu passes par les Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité qui doit décider. Très bien. En deux conseils de sécurité, un seul vote de blocage et de 5 membres permanents bloqué le projet automatiquement. Ok. Maintenant la différence entre une force spécialisée internationale avec une force multinationale, est-ce que là, papa gagne plus, papa gagne moins de débat? Non, c'est blague. C'est okay. Blague. C'est quand vous l'avez dit, force robuste là. C'est adjectif qui a metté devant un bagage, son parole. Très bien. Parce que quand tu dis une force robuste en Haïti, la situation où il est là, son force qui a vu faire la guerre. Correct. À qui est-ce? Avec des hommes armés qui en civil, en dans la population. Quand on doit jouer 10 000 moun, et puis dans 10 000 moun, il y a 300 de qui ont 15 âmes seulement. Et de fait, c'est dans la guerre venue, oui, colonel Rebu. Parce que la situation. L'opassé. La situation de aujourd'hui. Reconnaissance. La situation de aujourd'hui en 2023 n'est pas celle qu'on a connue en 2004. En 2004, il y a des fusils M1 Meyo et des armes 2.9 mm de baron ça. Mais aujourd'hui, il y a là. Monsieur qui là-haut, il y a une arme de guerre. Donc, c'est bon bagage. Et puis, bon donné, en tant qu'analyste militaire que je suis, naturellement, sens de responsabilité ne pas permettre de parler de données ça en public. Très bien. Et ou qu'on est même si on parler, c'est quand on est médecin. Oui, monsieur. Il y a des devoirs de réserve, il y a un dernier bagage que le pas foutu dit. C'est clair. Par exemple, un médecin qui a un monde, il y a un monde à l'article de la mort,
dans 15-22 jours, ça dérivé avec un bon ami moi te gagné. OK. Médecin dit oui mais les professions m'ont obligé me dit madame dans ça. OK. L'homme m'a dit pour qui ça, il dit oui mais on l'a mort subit dans famille qu'on gagne des conséquences sur le plan juridique. Il est mieux que mon au courant pour qu'a ranger une série de bagages. De bagages, bien bien. Donc je ça moi même l'itime ça. Moi font j'aime parler avec madame non moi dit madame non mais telle situation gain mais qui j'en nous fait pour nous ranger nous même moun qui concerné directement m'pas parler avec de ça très bien très bien parce que m'connais son nèg qui gon tempérament tel si m'ta dit ça il t'a fait rentrer la caille puis m'tendre le mettre fin à ses jours ouais ouais donc gain des professions gain ou pas capable parler toute bagaille oui et pour qui sont ouais les États-Unis mais madame Lali m'pas t'a j'aime prendre décision que le te prend pour te pousser docteur Ariel Henry mandé pour envoyer force parce que là où docteur Ariel Henry demande force et là les États-Unis politiciens écoutez bien politiciens aux États-Unis étaient d'accord avec principe pour force la vie très bien et ils ont fait tout effort pour le venir maintenant grande différence entre politiciens avec stratège militaire par exemple où aux États-Unis président Trump à un moment de mettre en tête, il de cap déployer l'armée américaine et sous territoire américain. Très bien. Ces politiciens qui divaguent, ils pensent que ça le très bien. Mais qui sont où? Secrétaire d'État à la défense, là, vient rappeler que les États-Unis, suivant la doctrine, n'ont pas le droit de déployer l'armée américaine sous territoire américain, sans que ce n'est pas le Congrès qui décide. Qui décide. Côté, il déclare l'état de siège. Très bien. Donc, le président n'est pas capable. Maintenant, dans ce cas-là, à qui ça nous attend, nous devons attendre à l'autre résolution des Nations Unies? Je m'explique bien. Dans les États-Unis, tu fais, et Mme Lalim, ferme des docteurs, pour te faire ça, nous avons une analyse politique qui n'est pas une analyse technique. Le Kounyayal ou stratège Pentagone, c'est eux-mêmes qui prennent mettre en application une décision politique là. OK. Yo ba yo des données qui montrent qui ça a représenté pour les États-Unis. Moi même comme analyste militaire et analyste d'opération, ces données ça yo gagne qui faut me permettre moi de sortir résolution au niveau et gouvernement le 7 octobre, le 9 octobre moi sortir analyse pour me dire ça pas fait. OK. Et me t'expliquer à tienne raison qui fait le pape fait là octobre à jeudi à pas jamais fait vraiment ouais. Maintenant les États-Unis sur le plan technique gain un pile embarras où yo vinn faire une intervention en Haïti et c'est ça fait et ça fait que yo passé le Canada balle là responsabilité c'est ça pour well ils font passe avec essayer de tout effet la donne pour Canada et puis Justin Trudeau lui-même lui bloqué balle à l'estomac il va mettre pied la donne très bien pour qui ça sont données réelles parce que données réelles de terrain yo un bon militaire a connait yo et m'gal bon outil pour bagay qui gen là seul son pas des bandits qui agissent et de gros monde à gros savoir militaire qui en dans son cap fait là c'est clair on est capable de comprendre ça j'en configure son gang au fait dans les métropolitaines donc monde ouais cap sorti dans la rue avec zam et bah comme ça ce sont des inconscients ouais. C'est ça relé en matière opérationnelle des chers à canon que vous voyez devant sous tuer il y a toujours une 10-15 000 pour vous voyez encore. Correct. Parce que vrai monde qui a fait bagaille, les États-Unis connaissent. L'icône qui qualité entraînement, vous avez. L'icône qui qualité zam que vous avez. L'icône surtout qui qualité haine, vous avez contre les États-Unis. Très bien. Ça veut dire que si les États-Unis viennent là, c'est avec plaisir que vous tombez des 100 soldats américains. Les États-Unis qui ont tout donné ça on amène, c'est ça faut elle pas veut venir. Eh bien. Parce que même yo compte vrai donné yo.
Une décision comme ça, les États-Unis ont fait que vini, ils ont pris le problème, ils ont pas pu virer de eux. Et parce que le cas fatal pour lui. La fatal pour lui sur le plan politique, c'est ça, fait des sociaux, analyse, même des dire pas vini. Maintenant, l'homme fait une déclaration, ça, qui en pile mon en Haïti, ça fait au mal. Ça fait au mal pour qui ça? Il y a tellement bon espoir que c'est la seule solution qu'il y a. Les moi même me dit non mais mon yo pas venu c'est quand que m'dabou me ra une homme rebi ça et tout va contrarier en bagaille. Ouais. Pour qui ça parce que mon a analysé problème là à la dimension de ses angoisses, correct, de ses peurs et de son désir de libération. Correct. Non en un même discours ça m'a bail là. Est-ce que problème là pas de solution? Oui, il y a une solution. Et il y a des solutions qui sont beaucoup plus faciles que nous t'en croyons. Mais ce n'est pas avec la PNH? Non, non. Avec la PNH impliquée dans le rôle pour ta guerre, mais dans pile monde souterrain, il y a une capacité de résoudre le problème là. Très bien. Ça a gagné une difficulté de gagner. Et c'est ça que je regrette. Là, Bob était venu. Si le gouvernement ici a un bon technicien, qui était capable parler avec étrangers lors Bob Redevini hein problème n'est pas qu'étant problème n'est pas qu'étant en voie de solution déjà c'est parce que vous te comprendre Haïti te gagne des monde qui connaît le maintenant qui était capable bailler des solutions qui t'a facilité et le Canada et les États-Unis sans que vous pas impliqué directement très bien par exemple. Où est la guerre qu'a fait en Ukraine là? Où est les États-Unis, le Canada, qui ont participation active? Active, très active. Mais la Russie, pas capable de accusation contre eux pour rentrer en belligérance contre eux, parce qu'ils n'ont pas une participation directe. Bien, bien. Donc, nous-mêmes, ces propositions de matériel, équipement, apprentissage et là pour faire pour apprendre utiliser au matériel c'est en ça que tu cap utiliser nous et on t'a une solution venir beaucoup plus facile, ouais. Si c'est des haïtiens qui t'a géré le Haïti correct le handicap alors forme du tout bon l'autre bagarre m'a dit li nan niveau analyse yon analyse c'est une probabilité c'est une supposition bon, supposition oui moi-même moi quoi gain en pile acteur politique en Haïti qui pas ta remè problème nan rezout par des techniciens haïtiens. Ouais, c'est vrai. Surtout dans situation ou moun kankoum. Ouais. Parce que moi à la fois un technicien, un analyste, un militaire sur le plan technique, même son politique tout, ou son patriote tout. Mais son politique tout. Ouais. Si par exemple, c'est un colonel Imle Rebu qui intervient sur le terrain, qui pose une solution à un problème. Non. Si mon chalet a monté dans tête, même dit le président, qui m'a dit avant PG? Personne. Dans les circonstances, nous sommes là. Il va pas quitter le passé tout. Il va pas quitter que c'est vous-même voilà. Qui dit ça tout. Donc, Kounia, il a empêché que ou monde qui se terrain connaît pour qu'il ne vienne pas prendre un crédit politique. Très bien. Maintenant, il y a marché de blanc et fini. Alors que blanc yo pa kap vini, yo pa vini. Très bien. En tout cas, il n'est que d'accord. Gon dernier bagay mbral di. Si par exemple, ou ta wè, des étrangers, ta intervenu en Haïti, nan donné nou yé là, konnen ke y a vin fè un bagay ki rele yon cover up operation. Est-ce que la colonel Imle Rebu nou pa ta capable jwenn solution avec l'armée qui là? Parce que quand même, c'est des militaires qui ont sécurisé Ariel Henry, chef cabinet, bon, monsieur Équateur, monsieur qui n'a pas le national, quelques bons grenades dans la police là. Mais pas parler de ça parce que je ne dois pas parler de typologie okay. Matériel humain qu'on a utilisé. Mais l'existait, très bien. L'existait tant sur le plan technique que sur le plan humain. Que sur le plan préparation. Que sur le plan exécution. Et pour la stratégie, pour la pensée, et pour la mise en œuvre, le monde qui a fait ça existe en Haïti. Très bien. À tous les niveaux. Très bien. Maintenant,
ça yo capable faire, yo capable faire une cover up operation. Une cover up operation son opération qui les fait semblant. OK. Faire comme si. Faire comme si. Yo cap vina, yo cap vina yo contrôler des axes bien que yo gen risque là dans gauche. Yo contrôler les axes routiers, yo dégager axes routiers qui allaient vers le sud là. Ton bail qui techniquement faisable. OK, vers le nord. Dégager axes routiers aller vers le nord là et puis ouais mon a monté à circuler et puis n'a bon impression que problème n'a résoudre et puis du quand vous l'avez dit à l'aïkou le doué tout bagarre en forme et puis nous cabale dans l'élection et puis ouais l'élection hein? Et puis après l'élection même problème n'a recommencé très bien donc laisse ça c'est le gouvernement qui va venir qui va mettre ceinture qui va marier ceinture pour capable résoudre ça voilà yo cap fait ça parce que comme m'a regardé yo gen un bagay nan tèt yo et son réalité liye yo pa kap fonctionner a peyi avec un gouvernement pas légitime. Non, pas capable. Donc toute manœuvre yo ta kap fè même sou wè par exemple n'a pas les bay HCTA. C'est très certain nous on bagay ki mal monté. Oui, li mal monté. OK. Alors, mais pendant que n'a pas les deux. Pendant qu'on a parlé de HCT et colonel. Mais c'est une pièce importante, son pièce importante que yo cap utiliser. Correct. Même si nous on son coup fourré lié, yo cap utiliser pour cap débloquer situation. Pour faire élection, j'en passer le passé mais élection quand même. Bien. Mais qu'on débat oui là colonel Imnerebu sous question HCTA. Sous qui Bob, est-ce que d'abord, alors la question que je vous pose, est-ce que HCTA li monté avec fonction présidentielle. Maintenant qu'on débat il n'est pas qu'à installer dans le palais, il n'est pas qu'à installer dans la primature, son côté ou l'autre local, il a cherché pour qu'il puisse installer. Côté différent, ça, si tu veux. Installer dans le palais, pré-investir dans le palais, ça t'a voulu dire ça. Pré-investir dans la primature, ça t'a voulu dire ça. Pré-investir dans l'autre local, indépendant, ça t'a voulu dire ça. Non. S'il prend investir dans le palais, c'est qu'il y a une fonction présidentielle. Ah, fonction présidentielle, très bien. OK. S'il installe dans le palais, il y a une fonction présidentielle. OK. Or, dans le décret qui nomme là, il n'y a pas de fonction présidentielle. Très bien. Très bien. Il n'y a pas cap installer dans la primature non plus, parce qu'il n'y a pas de fonction de gestion de l'administration de l'État. Correct. Correct. C'est premier ministre qui a une fonction. Donc, ça. C'est là que tout débat est. Parce que s'il installe dans le palais, il y a éjecté le premier ministre en tout. Non. S'il y a une fonction présidentielle, et c'est ça qu'il faut, ouais. Docteur Ariel Henry, pas voulu quitter une entité qui a une fonction présidentielle. Très bien. Parce que s'il a une fonction présidentielle, il a tous les attributs présidentiels, il a suspendu le premier ministre demain matin. Il a suspendu le premier ministre demain matin, justement. Or, c'est l'excuse. Tu as eu des faits hier matin dans l'émission Matin Débat. Claire, il a une série de raisons personnelles en tant qu'être humain, moi-même, je comprends. Très bien. Côté le pas cap courir, risque ça. Et c'est ça pour ouais l'oli. Alors grand pile débat qu'a fait. C'est pas ça c'est pour nous pas prendre nous li bien oui. Très bien. Docteur Ariel prend précaution à arrêter que le signe. Il dit moun qui nan HCT yo capable réunir entre eux autant de fois que vous voulez. Que vous voulez. Il a réuni une fois par mois avec premier ministre là. Et décision que vous prenez en réunion par yo, il a soumet li. Regardez bien, ou appli verbe là. Il y a soumettre à premier ministre, il ajouter sous forme de résolution. Ça veut dire que la décision du HCT ne sera pas arrêtée. Non, il n'y a pas une décision. Il n'y a pas une décision. Correct. Parce que l'OFIN Anthony, son idée, il y a une idée. Correct. Il y a soumettre l'idée. Le même soumettre veut dire quoi? Vini, li gen un adjectif la den qui vient aller, par exemple, l'opre soumission. Soumission, c'est ça. Yon moun qui soumet li à un l'opre, li ka approuvé, li ne doit pas approuvé tout. C'est autorité l'opre là. C'est ça. Non, donc, moukou na l'approbation, non, bral vin sou. Correct. Donc, le verbe soumet veut dire que c'est yon subalterne. Cap soumettre un bagage à un monde qui a autorité hiérarchique sous lui. Correct. C'est comme une suggestion. Premier ministre n'a arrêté à lui souligner, lui capter, lui confirmer autorité sous HCTA. Bien, bien. Ensuite, bien. Ensuite, lui dit sous forme de résolution.
le principe de péril la connaît, yon résolution, c'est expression vœu. Li pas contraignante. On pas obligé faire un bagaille qui ou résolution ou cap considérer ou cap approuver ou cap rejeter tout. Correct. Donc c'est parce que c'est pour se protéger que le pabay HCTA fonction présidentielle. Fonction présidentielle. Si docteur Ariel Henry et moi même j'ai fait une grosse discussion dans Montana sur ça. Si docteur Ariel Henry t'es gain souplesse politique. Il pas voulu, il pas gain peur qui habite là pour pas courir risque. Il t'a peut-être constitué HCTA. Il t'a fait de lui une structure présidentielle avec lui-même la donne. Avec lui-même la donne, très bien. Laisse ça pas de personne monde qui t'a empêché de présider HCTA. Correct. Donc laisse ça lui t'a vienne président. Non, oui, mais parallèlement, il t'a pas besoin premier ministre. Voilà, laisse à lui-même, lui d'abord qu'il choisit sa tunée. Très bien. Très bien. Tout simplement. Très bien. Qui chef de cabinet. Parce que pour le président dans condition ça, pour le contrôler vraiment le collège présidentiel là, il faut le premier ministre qui est totalement d'accord avec lui. D'accord. C'est avec les sorti en intelligence, il a effacé tout problème où elle est là. Correct. Mais il peut, il pas aller traverser l'étape ça pour ne pas dire. Sans ambition présidentielle, l'idée de gagner. Il préfère Kembel là comme ça, mais j'aime Kembel là pas comme sorti avec. En tout cas, on a pris un nom. Ça pas veut dire, ça pas veut dire que il pas avancé, non? Oui, oui. Moi-même, moi plus quoi que l'a avancé, sans le passé, le passé. Moi pense ça tout. Maintenant, comme HCTA a une responsabilité et mission pour choisir avec des secteurs dans le pays et même qui va le constituer le conseil électoral provisoire là. Moi, mais c'est deux tapes que je vais regarder. Tout bagage, ça, c'est blanc. C'est blanc, oui. Tout bagage, ça, c'est blanc. Tout c'est blanc. Même blague. Le. Non, c'est blanc. Parce que l'autorité de décision, c'est le premier ministre. C'est le premier ministre. Eh bien. Tout le monde a accepté, choisi d'ailleurs, choisi avec lui, deux monde qui dans le CEP. S'il a raison pour le consulter, suspicion légitime de allégeance mondiale, la peut-être pas approuvé parce que HCTA n'a pas aucun moyen pour l'imposer. Très bien, très bien. À moins que le ta financé, puis la le fond est compris. En tout cas, n'a pas été compris. D'accord, moi-même, moi, quoi que et les forces en présence pas marqué espace politique là de manière suffisante pour arriver à imposer volonté. Très bien. Avec un déficit, il faut nous retourner là-dedans, nous ne pouvons pas analyser la Timosso. Avec mouvement Biden, côté démobilisation générale général. De la citoyenneté. Général. Donc, il y a une mobilisation de la population comme à tout, vin ou bien rare, vin ou bijou précieux, précieux. Presque trouvable. C'est vrai, presque trouvable. Donc, ça vin permettre de. Tout ça doit essayer de foncer. Très bien. Ouais, tout petit barricade qui cap dessus là, c'est petit barricade en papier avec feuille bois. Correct. C'est pas dit barricade qui gagne et béton habitué maintenant la rue là dedans. Merci en pile colonel Imler Ribi, merci en pile. Ça a été un plaisir, bon travail. Toujours un plaisir hein. Voilà, donc c'était le colonel Imler Ribi. Ou même qui gagne longtemps aux États-Unis, ou besoin acheter un bel caille ou bien une belle machine qui n'en rêve pour, mais tout compte passé ou gagne problème crédit, avec Olivier Pierre, problème ça résoudre. Dans affaire crédit, Olivier Pierre sans pareil. Tout le monde à la ronde bade aux États-Unis a cherché Olivier Pierre pour ranger crédit yo. Et n'importe ça ou gagne dans affaire crédit, la idée. Li protéger identité ou parce que environ chaque 3 secondes, il y a des pirates qui piraté identité moun. En plus, n'importe problème ou ta gagne tant coup. Student loan, medical bill, bankruptcy, public worker, tax line, Judgment, foreclosure et la trier. Olivier Pierre même aidé au joint carte de crédit. Et sous ta remé qui ont business aux États-Unis pour bâtir propre LLC Pound ou bien bâtir business crédit à et joint l'argent pour capable faire business. Olivier Pierre, c'est mes crédit à et c'est Wa Crédit à notre dossier ça. Ou même qui besoin assurance de vie, assurance santé, Obamacare. Ça ou t'as cherché à ou joint ligne. C'est vrai, Olivier Pierre qui a adresse ligne dans Pompano Beach, Florida. Mais pour même qui vivent dans l'autre state, pas inquiété. Parce que toute sorte d'assurance que vous besoin,
Olivier Pierre ka aide ou nan tout état ou yé nan États-Unis. Ou gen problème, ou pa ka paye assurance, ou bien ou pa gen assurance de vie. Ou pa kont si wap jwenn l'argent nan assurance wap paye a. Olivier Pierre ka aide ou jwenn l'argent ak même assurance wap paye a. Pour question rempli taxe même, Olivier Pierre c'est seul agent qui pa plago nan problème ak tout sa. Visitez Olivier Pierre nan 750 East Sepo Road, Building 3, 240 Pompano Beach, Florida 33064. C'est ça que fait, pas perdre du temps. Rele Josie à même. Dans 954-328-7499. Avec Olivier Pierre, tout problème crédit résolu.